Alors, mes chers amis, je voudrais m'adresser aux étudiants. Madame, monsieur les étudiants, prenez au sérieux la formation que vous êtes en train de prendre. Nous avons toujours pensé adopter la formation théorique, l'enseignement théorique. Ça ne suffit pas. Il faut que la formation professionnelle. Et le ministre l'a évoqué tout à l'heure, c'est pour cette raison que, encore une fois de plus, la liaison entre le privé et le public et les universités est capitale. Il faut que vous invitiez les gens du patronat, la chambre de commerce, de temps en temps venir faire des conférences. Que dès maintenant, on commence à vous expliquer, vous poser des questions. Ça vous aidera à des choix, ça vous aidera au moment des stages à être beaucoup plus dans le système. L'éducation est capitale pour un pays et nous ne faisons pas assez pour remercier les professeurs, les instituteurs, les moniteurs, tout ce monde-là, le sacrifice qu'ils consentent, qu'ils font pour nous, nos enfants, c'est très important. Alors, je vous en prie, réfléchissez à l'initiative privée. Il y a beaucoup de choses, hein? Il y a beaucoup de choses. Je vous donne un exemple concret. Quand vous allez à Accra, sur la route, vous avez les pots, les jars, les pots là, bien décorés, bien faits. C'est le travail de nos artisans. Mais ces choses, ça peut se faire aussi ici. J'ai recommandé à un garçon qui a travaillé avec moi. Il était commercial à Goiscor à l'époque, de se lancer dans ce genre de truc. Il est parti en France, il a fait presque 10-15 ans. Il est rentré, il est revenu me voir et nous avons reparlé de la même chose. Et il a commencé sur la route de Baguida, là, à droite, il y a un magasin qui commence à sortir ces choses-là. C'est tant mieux. À force de le faire, de le présenter, le besoin va se créer. Le besoin va se créer. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je prends par exemple les fleurs. Vraiment, il faut le dire, nous n'avons pas de fleuristes au Togo. Nous n'avons pas de fleuristes à Lomé. Regardez les bouquets qu'on fait là. C'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Allez à Abidjan ici. Allez à Accra. Vous verrez comment les bouquets sont faits. Et des fois même, il n'y a même pas de fleurs. Il n'y en a pas du tout. Alors que les terres sont là. Les terres sont là. Les fleuristes gagnent beaucoup d'argent, hein?
Et il n'y a pas de faux métier. Il ne faut pas dire je suis diplômé, je suis ceci, je suis cela. Je ne vais pas faire ce métier. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Donc, je crois que je vais m'arrêter là.